Bonsoir à toutes et à tous, les clés et clayettes à molette. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ce soir, écoutez, on se retrouve pour une petite dégustation, comme vous aurez pu le deviner. Une dégustation de sardines millésimées. Donc là, en l'occurrence, ce sont des sardines connectables, sardines de garde, millésime 2019. Connectable, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la plus ancienne conserverie au monde, encore en activité. Et c'est français, monsieur! Voilà, donc tout le monde connaît, je pense, le principe du millésimage, si je peux dire, des sardines, c'est-à-dire qu'il faut les laisser minimum un an dans son stock, donc là, comme vous pouvez le voir, 12 mois, même si c'est un millésime 2019. Le minimum, c'est un an, donc 12 mois. La chair devient plus tendre, ça macère, ça confit, en fait. Et bref, vous connaissez tous à peu près le principe. Ça devient des sardines haut de gamme, au bout de quelques années. Donc là, 2019, donc on est à 4 ans. Je crois que certains disent que le must, c'est 5 ans, d'autres 10 ans. Là, on est à 4, donc juste un tout petit peu en dessous de 5. En plus, celles-là sont plutôt connues, entre guillemets, les sardines de garde connétables. Ce sont celles qui sont dans le reportage avec Bernard Matzneff. Pourquoi vous êtes-vous spécialisé dans les lycéennes et les minettes? Au-dessus de 20 ans, on voit que ça ne vous intéresse plus. On sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Matzneff, lui, les attire avec sa réputation. Il vient en déguster. Eh bien, j'ai commandé des lycéennes millésimées. À la brasserie Lip, il me semble, à Paris. C'est une brasserie haut de gamme qui en sert. J'ai regardé, elle en sert toujours. En l'occurrence, dans le reportage, il me semble qu'il datait de 2020 et c'était des millésimes 2009, pardon, ou 2010. Donc c'était du 10 ans d'âge, donc ça devait être extrêmement onctueux, extrêmement goûtu, en fait. Écoutez, je pense que millésime 2019, il y a quand même moyen de se faire bien plaisir. J'ai deux morceaux de tradition aussi à côté que je vais me faire... Que je vais mettre au grille-pain, histoire d'accentuer le... expérience. Donc voilà, c'est parti, écoutez, c'est parti pour la dégustation. Autant ne pas se attendre, parce que je vous avoue que depuis que je les ai commandés, j'arrête pas d'y penser et j'ai un peu mis toutes mes économies. l'élite. C'est parti. Ouf. Attendez. Oh là 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 là. Regardez-moi la présentation. Avec ce ventre blanc. Attendez, je vais juste poser le couvercle, sinon je vais me faire sélectionner par l'huile. Sublime. Magnifique. Voilà. Sublime. On dirait des bonbons. Voilà, donc pour les Ryu amateurs, je pense que vous pouvez discerner la qualité. Au niveau de l'odeur. Ah, ça sent super bon. Enfin, ça sent la sardine. Et l'huile, mais la très bonne sardine et la très bonne huile, quoi. Si vous avez l'habitude de goûter aux autres marques, généralement, déjà, c'est pas aussi bien présenté. Même si, et encore, là, c'est pas le must. Hein. Pour moi, le must, c'est vraiment les présentations de la Quiberonnaise. La belle illoise aussi, mais... La Quiberonnaise, c'est vraiment quelque chose. Mais là, en l'occurrence, Connétable ne déçoit pas. Et puis, de toute façon, c'est un peu un must-have. Tout le monde la connaît. Tout le monde connaît ce millésime, enfin, cette série-là. Donc voilà, on va transvaser ça dans l'assiette.
Donc ça va, au final, je pensais que j'allais rater la présentation et la manipulation, mais ça s'est plutôt bien passé. Mon tapis ne s'est pas fait sélectionner par l'huile. Donc, c'est magnifique, elles sont vraiment argentées. On voit la petite nageoire encore. J'ose pas trop appuyer parce que 4 ans, je pense que ça va... Ouais, voilà. Ça commence... Rien que le bout du couteau, on sent que ça s'enfonce assez aisément quand même. C'est très tendre. Comme du beurre. Mais vraiment, l'espèce de robe là, argentée est vraiment magnifique, je trouve. Et puis t'as une odeur d'huile, mais une bonne odeur d'huile, ça pue pas, quoi. C'est vraiment magnifique, ça n'augure que du bon. Ça n'augure, je ne sais plus. Voilà, ça se coupe en 2 secondes. C'est vraiment... J'ai juste mis le couteau, le truc est parti direct. Mon pain est en train de chauffer. Je me permets de prendre une petite bouchée. Vous savez que ça fait en vrai longtemps que j'ai pas mangé des millésimes. Donc là, c'est un peu en retour aux sources. C'est très bon. C'est excellent. Alors, le goût, certes, est assez beurré. Il y a tu as un peu là, un arrière-goût qui arrive. Un bon arrière-goût, hein, pas de souci. Peut-être l'huile ou je sais pas quoi, des arômes. C'est vraiment excellent. Ça défonce, c'est vraiment super bon. Et à le premier goût, je sais pas, j'ai l'impression de discerner 2 goûts. Les deux sont excellents. Effectivement, vous voyez, dès qu'on appuie un tout petit peu, hop, tout se sépare. C'est vraiment très 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 bon. Mon pain vient de sauter, donc j'arrive. Et voici, incroyable. Je prépare le tout comme un fin gourmet. Hop, avec un petit peu de beurre. Mais ouais, même sans pain, c'est excellent. Hop, les petites arêtes, elles sont pour moi. Alors moi, j'aime pas mettre trop de beurre. Ah, j'en mets un petit peu, j'en mets... voilà, je racle 1 ou 2 fois. Histoire que ça soit un peu imbibé. Hop, on est reparti. Cette fois-ci avec le pain. Qu'est-ce qu'elles sont belles, sans déconner. Elles sont magnifiques. Hein. Elles sont vraiment magnifiques. Si je pouvais, j'en ferais mes animaux de compagnie, mais... Hop. Oh là 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 là, putain de merde, c'est pas vrai, oh là 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 là. Ho avuto un impulso sessuale, terribile. Oh là là. Putain, c'est bon. Oh là là. Putain, qu'est-ce que c'est bon.
vache. Ah ouais. Ah ouais. Ah, je suis bien là. Ah. Ouh. Hop, la petite nageoire y passe aussi là. Hop. Oh la vache. J'attends de voir pour comparer un peu avec avec le reste des marques. Parce que là, certes, millésimé 2019. Mais j'ai des millésimés 2015 aussi qui doivent arriver. De la perle des dieux. Mais là, en tout cas, le goût est fabuleux, quoi. Sans déconner, c'est vraiment extrêmement bon. Ceux qui n'aiment pas les sardines, vous loupez un truc, hein, je déconne pas. C'est incroyable. Elles sont vraiment magnifiques. Voilà. T'as rien à dire de plus. Elles sont belles, elles sont bonnes. Pas comme les françaises. Voilà. Verdict incroyable. Hein. Voilà, n'hésitez pas les rayés. À vous abonner à la chaîne, à lâcher un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Passez un coup sur ma PDP, envoyez-moi un message sur JVC si vous souhaitez dire bonjour. Il n'y a pas de souci. Enfin voilà quoi. Donc là j'ai plein d'autres boîtes qui arrivent. Hein. Je devais faire des tests avec d'autres boîtes, des dégustations de Maître Sardinier avec d'autres boîtes, d'autres marques. Là c'était un peu la basique, une des plus connues on va dire, la millésimée de Connétable. Donc voilà, on va voir ce qu'il en advient par la suite. Voilà les rayés. Bah écoutez, sur ce, bonne soirée à vous tous. Moi je vais m'empresser de dévorer les trois dernières. Et puis peut-être me branler un coup ensuite. Salut à tous !